Oui, c'est sûr que ça résonne fort. Il y a à la fois le refrain dans son corps, il y a à la fois tout ce qu'on dit aussi dans les côtés. Ils vont inviter les camarades. Merci à vous. Merci. 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 Le vendredi de la colère, oui, place de l'hôtel de ville à 13h. Intermittent du spectacle, du conférencier. Hôtel de ville de Paris. Hôtel de ville de Paris, 13h, vendredi à 13h. On espère que l'AFP sera là. On était au début. Oui, mais demain, vendredi à 13h, place de l'hôtel de ville. Le vendredi de la colère. Maintenant, on a pris un vendredi tous les vendredis. Il va y avoir un événement, on ne peut pas vous dire, mais il va être. Vendredi de la colère. C'est la convergence contre la réforme aujourd'hui. Là, le monde, vous verrez, sans doute convergence contre la réforme chômage. Faites précis dans ce qu'on dit, il faut faire attention. Parce que, et on a invité même les entreprises qui sont en PSE, en plan social d'entreprise, avec des licenciements, ils prendront parole. Tous les gens qui vont se retrouver demain dans la précarité sont les bienvenus. C'est demain ou après-demain? Vendredi à 13h. Demain, il y a Barbara Stiegler aussi qui vient à l'événement. Oui. Barbara Stiegler. Vendredi à la manifestation. Elle est enseignante à l'université de Bordeaux. C'est une philosophe. Vendredi à la manifestation. Oui, à l'hôtel de ville.